Salut à tous et voilà, nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau vlog. Je me suis niqué le nez là, je sais pas ce que j'ai fait, je me suis gratté ou je sais pas quoi. Du coup je saigne, bref, faites pas trop attention. Je saigne pas du nez mais je sais pas, j'ai dû me gratter, enfin bref. Voilà, les petits aléas du matin. Du coup comme je disais, nouvelle vidéo ce matin, donc petit déjeuner. Là on a le saladier cake, le fameux, du coup avec ça ce matin, les compléments, la vitamine D, voilà, liquide, que je prends du coup en pipette le matin, vitamine C, hop, un multivitaminé, la glucosamine et la vitamine E, en gélule, tac. Sinon ce matin j'ai pris quoi en agin, j'ai pris du desmodium pour le foie, voilà, pour détoxifier le foie. Ça, bizarre ce truc. Donc voilà, on démarre une nouvelle semaine. Là on commence à serrer un petit peu. Normalement comme j'ai dit sur les réseaux, et je commence à l'avoir dit la dernière vidéo, je prépare une compétition. Enfin une compétition. Si Dieu le veut, j'ai envie de dire. Donc je suis en pleine préparation, donc je peux faire... Normalement j'avais dans l'idée de faire une compétition d'ici 5 semaines et peut-être une, deux semaines après. Du coup après on va voir si c'est possible aujourd'hui et comment ça peut être possible avec mon avocat, etc. pour que je puisse aller concourir à l'étranger. Donc en tout cas on se prépare, on fait avec. Le physique est vraiment bien là, donc ça c'est cool. Dès que je fais une modification ou quoi que ce soit avec mon coach là, ça... Vraiment, ça marche du feu de Dieu. Donc, moi, je ne me suis jamais vu bouger autant que ça et aussi loin d'une compète. Donc, franchement, j'aimerais vraiment bien pouvoir aller concourir parce que là, ça risque de donner un max, vraiment. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, voilà, là, petit déj. Et après, du coup, je vais aller directement à la salle faire mon cardio et les abdos. Pas à jeun, le cardio. Tant mieux, moi, ça m'arrange, là. Le lundi matin, c'est parfait. Du coup, j'ai le temps de bien prendre mon petit déjeuner et me rendre à la salle tranquillement. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, cardio et abdos terminés. Mais 30 minutes, je fais 30 minutes de tapis en marche. Marche rapide, on va dire, je suis à 5 km/h avec une pente à 5. Et donc là, je viens de terminer les abdos. Là, du coup, j'ai pas fait du gainage, j'ai fait plutôt les machines. Les machines crunch là et celle-ci pour pivoter, la machine de rotation, mais je l'ai fait avec pas beaucoup de poids en fait et je me concentre essentiellement sur la contraction et vraiment juste engager la sangle abdominale et pas autre chose. C'est très souvent, les gens le font même sur du gainage, le problème c'est que là sur les machines et tout, et ils vont vraiment les recruter avec autre chose que la sangle abdominale, vraiment que les abdos. On va avoir tendance à trop pousser les viscères et pas avoir une bonne contraction avec le ventre plein ou également trop engager, tirer en fait avec les jambes, comme les gens qui font les remontées de jambes des fois en fait, ils tirent vraiment qu'avec les couturiers dans les quadriceps et très peu avec les abdominaux. Donc là le but c'est vraiment de rester vraiment bien contracté sur les abdos et vraiment n'utiliser que ça. Donc moi je mets pas énormément de poids parce qu'en plus de ça j'ai des abdos qui sont déjà assez épais, donc je cherche pas à aller prendre, on va dire, vraiment du volume sur les abdos, mais là c'est vraiment plus de la définition, de la dureté, donc là vraiment de la contraction et du gainage. Donc vraiment faites bien attention à ça, et pareil pour les crunchs, ça sert à rien d'aller faire des mouvements vraiment trop amples. La plupart du temps les gens ils savent pas travailler les abdos en fait. La sangle abdominale c'est pas des mouvements qui sont amples, c'est vraiment juste une contraction qui est assez courte. Après le reste vous allez vraiment vous faire mal au dos, etc. C'est vraiment rien. Donc voilà, concentrez-vous juste vraiment, pas sur le mouvement, mais sur la contraction de vos abdominaux en fait. Ça sert à rien d'aller toucher ses genoux comme ça à chaque fois. Les abdominaux, une fois qu'ils sont contractés, qu'ils sont contractés, après c'est votre dos que vous allez ramener quoi. Donc ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc je vais rentrer tranquillement et aller manger ce que j'ai déjà faim. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, l'heure du repas post-training. Enfin, post-cardio-abdo. J'ai une petite tête, là. Donc, on a poulet, riz, des petits champignons de Paris,
avec du coup un petit peu d'huile d'olive. Là, normalement, j'ai mes oméga 3, mais j'en ai plus, je les reçois. C'est pas bien, il faut que je respecte bien mon truc. Normalement, je reçois ça demain ou après-demain, je pense. Donc voilà, là un petit peu plus bas, là on commence à descendre. Donc j'ai amoindri aujourd'hui. On va voir ce que ça a donné, mais bon, déjà que je séchais à vide, enfin je séchais vraiment en mangeant beaucoup, là je pense que ça va mettre vraiment une calotte. Donc bon, on verra bien, de toute façon, au besoin, le coach lui réaugmentera. Ça c'est pas un problème, faut faire confiance à son coach. Mais du coup, j'ai hâte de voir ce que ça a donné, à mon avis, je vais te dépouiller. Donc bon, de toute façon, je vous fais suivre ça. Allez, à tal. De retour pour le prochain repas. Du coup, presque le même que tout à l'heure. On a du riz, du poulet et des champignons. Voilà, avec l'huile d'olive, bien évidemment. Du coup, j'ai mangé tout ça. Là, je me suis occupé. J'étais sur quelques coachings, quelques diètes, sur les coachings personnalisés. Je vais manger ça, essayer de me caler une petite sieste de 20 minutes, faire tout ce que j'ai à faire sur le reste. Normalement, ça devrait être, on devrait être plutôt pas mal. J'attends des bilans de toute façon encore. Et oui, parce que bon, ça c'est toujours pareil. Ceux qui sont coachés là, qui regardent la vidéo justement, prenez bien ça en compte. Si j'ai pas vos bilans, je peux pas faire vos mises à jour. Donc envoyez-moi bien vos bilans. Plus vous êtes sérieux et plus on peut faire un suivi de qualité. Donc voilà, je vais manger ça. Puis continuez quoi. Je vous dis à tout de suite. Allez. C'est parti pour le repas post-training, pré-training, pardon. Donc là, voilà. Voilà, poulet et du riz. Vous avez vu, c'est un peu cette cuisson magnifique. Et là, du coup, là, c'est juste parfait. Du coup, je mange ça. Toujours bien salé, je bois bien pour être bien hydraté, avoir des bonnes contractions à la salle et une bonne congestion. C'est hyper important. N'oubliez pas de saler et de boire. Le sel, c'est vraiment quelque chose qu'on va contrôler avant les concours. Donc sinon, le reste du temps, vous pouvez y aller. Et aujourd'hui, épaule avec Salim, du coup, qui est de retour. Donc j'espère qu'il va être à l'heure et motivé. Il s'est pas entraîné pendant un petit moment. On va lui bouger le cul un peu. Allez. Voilà, bien arrivé à C Fitness. C'est bon, Salim avait pas tant de retard que ça. Il en avait quand même forcément. C'est quoi, les 10 minutes, pas plus. Voilà, on est parti pour épaules. Premier exercice, le développé à machine convergente. Ouais, je disais, ça va, t'avais pas trop de retard. Non, mais t'en avais quand même. Mais toujours, c'est un c'est problème. La signature, ça. Ouais. Tu vois, la signature. 6, 7, 8, allez. Ah, il est plus habitué là. Ah non. Il est plus habitué. C'est fini les vacances. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc là on part. Élévation latérale. Assis. Le but c'est vraiment tout le temps rester bien en contraction. En tension constante là, toujours. Du début à la fin. Vraiment avoir l'épaule béton du début à la fin. Pousser vraiment avec que ça et bien retenir la descente. Bien retenir la descente vraiment dans l'épaule et repartir que avec l'épaule. Pas donner d'un coup avec le dos ou étirer avec les trapèzes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on passe aux élévations, toujours pareil, mais debout. On va juste un petit peu plus lourd. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9 et 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc là on est élévation latérale, toujours mal à la poulie. Vraiment essayer de bien isoler le faisceau. Là on tabasse vraiment les extérieurs des épaules, faisceau latéral.
Si vous voulez la largeur et les grosses épaules, il n'y a pas le choix de toute façon. Si vous voulez les épaules bien rondes, c'est ça. C'est pas le développé qui va vous donner des grosses épaules. Enfin, certains vous diront que si. Moi personnellement, de mon expérience personnelle, très honnêtement, c'est pas du tout le développé qui me donne du galbe et l'épaule ronde. Vraiment pas. Donc voilà, chacun fera comme il veut, mais trouvez ce qui fonctionne pour vous, en tout cas moi c'est ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant on passe à l'arrière des épaules, sur la machine ici. Voilà. On le sent bien se redresser. Pourquoi ça fait quand on est vraiment trop sur l'avant, on va tendance à aller taper dans les trapèzes. Donc je sais plus ce que je voulais dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 et 12. On passe au shrug ici. Voilà, pareil, en essayant vraiment tout. Regardez toute la tension dans l'épaule, pardon. Voilà. Non, c'est pas un mouvement où on va aller forcer comme un malade avec une charge lourde. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Retour pour le repas, post-training cette fois-ci. Hop, on a du bœuf et du riz. Voilà, j'avais déjà préparé le repas à l'avance. Pour vraiment le manger directement après. Enfin, du coup, je suis maxi, on va dire, je laisse une demi-heure grand max pour manger après la séance. Donc avec ça, je vais prendre aussi une vitamine C après la séance, toujours après mon repas après la séance, je prends toujours une vitamine C avec. Bon, bon, je traîne pas parce que j'ai la dalle. Allez, bonne app. Bon, une fois n'est pas coutume, j'ai oublié de vous filmer le dernier repas avant d'aller me coucher. Donc, ce dernier repas, on avait du poulet, pas d'hydrate par contre. Je me suis fait poulet asperge avec un saladier de salade à côté. Donc, tout ce qu'il faut pour bien terminer la journée, quoi, on va dire. Du coup, ouais, là, je l'ai bien senti. Ça faisait longtemps que je mangeais pas de glucides comme ça après sur les derniers repas, parce que tout se passait bien, je séchais, j'avais pas besoin. Mais du coup, là, comme on passe un peu la vitesse supérieure, on commence à bien réduire. Donc bon, je ne cache pas que j'ai mangé quand même pas mal de salade pour essayer de compenser un peu tout ça. Ça fait du bien. Et du coup, avec ça, j'avais pris voilà, tout ce qui est ZMA, du GABA. Et j'utilise en ce moment de la mélatonine aussi. Je ne le faisais pas avant. Mais du coup, là, franchement, depuis que j'utilise, je m'endors vraiment beaucoup plus vite. Surtout en période de régime, c'est quand même mieux quand on a faim, etc. On a tendance à plus cogiter et à être un peu plus nerveux. Donc, franchement, je m'endors beaucoup plus vite. J'ai l'impression d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, voilà. Mélatonine, franchement, pas trop mal. Pas trop mal. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pas grand-chose. Comme d'hab, je vous raconte un peu ma vie, quoi. Donc, bon, comme je disais, effectivement... Là, je prépare une compétition normalement dans 5 semaines qui se tient en Roumanie. On a déjà type Regan Grimm qui a annoncé qu'il la faisait. Donc j'espère que je vais pouvoir y participer. On va bien voir ce que ça donne au niveau judiciaire, etc. Donc bon, on va voir avec mon avocat comment on peut monter les choses. Mais du coup, je me prépare. Donc c'est un petit peu bizarre de ne pas savoir. Mais bon. De toute façon, je me dis que tout ce que je fais là, ça peut être que de l'acquis après. J'essaie de me dire ça plus qu'autre chose. Comme ça va beaucoup mieux.
Donc voilà, quand même si je sais pas, je veux quand même me mettre à la rue et tout. Et voilà quoi. Et faire tout ce qu'il faut. Vraiment tout ce qu'il faut dans la bouffe et tout. Je dis ça pourquoi? Parce que j'en ai eu pas mal là qui me parlaient, que ce soit des coachings ou même des gens qui me parlaient à côté. Et qui me disaient, ouais, moi le poisson blanc, je peux pas, etc. Ça passe vraiment pas. Manger froid ou je sais pas quoi, ou pendant ma pause j'ai du mal à manger, je préfère une collation que manger un repas et tout. Alors, ok, pas de problème. Pour les gens qui n'ont pas des objectifs hyper élevés, on peut adapter, ça c'est pas un souci. Par contre, ces mêmes personnes-là qui me disent qu'ils veulent gagner les compétitions, bah, je suis désolé, je comprends pas quoi. Je comprends pas pourquoi, parce que moi c'est pareil quoi, le poisson ça me casse les couilles de le manger, des fois c'est dégueulasse. Ça m'arrive de bouffer le poisson froid, même des fois où je bossais, je terminais à pas d'heure, je me mangeais du poisson froid, à la limite il était congelé, c'était dégueulasse quoi, j'étais fatigué au bout de ma vie, mais j'ai toujours fait, je me suis jamais posé la question quoi en fait. C'est il y a un moment, il y a un moment, il y en a si ça font, il y en a si ils comprennent pas que ça marche pas pour eux en compète quoi, mais parce qu'ils font pas tout ce qu'il faut. Il y a un moment vous pouvez pas adapter tout le temps au machin, il y a un moment il faudra faudra passer par là, quoi, même si c'est dégueulasse et tout, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire, quoi. Donc, pourquoi je vais passer ce petit message? Peu importe, quoi. C'est pas une question de. Moi, ce que je fais, c'est pas parce que je le kiffe, que c'est plus facile que quelqu'un d'autre, c'est juste que j'ai décidé de le faire, en fait. C'est ça, en fait, que je voulais dire. Il y en a, ils me disent, ouais, machin, le poisson et tout. Mais moi aussi, ça me saoule, quoi. Donc, ça se trouve, je trouve ça encore peut-être plus dégueulasse que certains. Mais je le fais en fait, je me pose pas la question. Comme certains me disent, ouais, c'est pareil, le cardio à jeun, machin, tout, c'est compliqué pour moi, je sais pas quoi. Bah ouais, bah ce sera aussi compliqué d'être le meilleur. Il y a un moment, faut pas. C'est pas des. Y a pas de choix à faire quoi. Enfin, justement, si, vous devez faire un choix, c'est soit vous continuez comme ça. Et vous obtiendrez rien de plus. Soit vous, comment dirais-je, vous allez un petit peu plus loin et vous faites vraiment tout ce qu'il faut faire, quoi. Donc évidemment, c'est pas facile, évidemment, c'est pas drôle, mais ça l'est pour personne, en fait. Et tous les pros qui le font, ça l'est pour personne. Et encore une fois, c'est pas une question de travail et tout. Il y a plein de gens qui bossent et qui le font très bien. Moi, il y a eu un moment, là, avec les sponsors, c'était bien, donc, ce que je pouvais me permettre vraiment de. J'avais, comment dirais-je, moins d'activités à côté. Là, j'en ai plus. C'est plus compliqué. Et il y a eu des fois où j'en ai eu encore plus. À l'époque où je travaillais vraiment dans la restauration, etc. À me taper des semaines à 50, 60 heures, des fois. Et j'ai fait les compètes avec ça. Et j'ai gagné des compètes en travaillant comme un malade dans les restos. Donc, en fait, tout est possible, quoi. Il suffit juste de savoir si vous le voulez vraiment, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est voilà. Vous étonnez pas après quand on vous dit que vous n'allez pas y arriver ou que c'est pas fait pour vous quoi. Il faut être en adéquation en fait avec ce qu'on recherche, ce qu'on veut quoi et les moyens qu'on se donne. C'est juste pas possible quoi. C'est comme un mec qui veut gagner de l'argent mais qui veut pas travailler. Et à un moment ça tombe pas tout seul. Bah là c'est exactement pareil. Si vous voulez pas faire ça, vous y arriverez pas. Donc, je sais que c'est compliqué même pour prendre du muscle. Sans parler de la sèche. Il y a des gens, ils ont du mal à manger. Mais si vous bouffez pas, vous pourrez pas prendre, quoi. Moi, j'ai des coachings, c'est ça ce qu'ils me disent. Ils ont du mal à manger. Alors après, on a certaines techniques pour essayer d'ouvrir un peu plus l'appétit et la satiété. Mais c'est pareil, quoi. Moi, c'est la même chose, quoi. Je suis vraiment passé par là. Nom de Dieu! Encore aujourd'hui, des fois, j'ai du mal à manger, quoi. Mais je me force. Je mange pas du tout avec plaisir. Il y a des fois, ça m'est arrivé de vomir. Hein. Je me suis fait vomir, mais comme à l'entraînement, je me suis fait vomir tout seul aussi. Ça m'est arrivé plein de fois là, pendant une période là. Je me rappelle presque tous mes entraînements cuisses, j'allais dégueuler quoi, parce que je me défonçais la tête quoi. Et je pense que je devrais bien me rappeler de ça aujourd'hui, justement pour me redonner encore à fond et me mettre dans ces états-là. Mais ça, c'est moi qui me mettais comme ça. Et donc il y a pas, voilà, il y a un moment, il y a pas de secret quoi. Quand c'est que ce soit la bouffe ou donc, comme je disais, la bouffe, la diète ou l'entraînement. Ouais, il faut que ce soit dur tous les jours. Il y a un moment, il faut être en adéquation avec ce qu'on veut. Donc voilà, pareil. Je me dis, ouais, j'arrive pas trop à prendre de ci, de ça, ou les cuisses.
Les gars, moi j'ai fait des entraînements avec des gars qui ont du mal à prendre des cuisses. Bah, je sais pourquoi ils n'ont pas de cuisses ou qu'ils ont du mal à en prendre. Bah, parce que les entraînements, ils avaient trop de mal. Mais ils s'entraînent pas fou. Ils s'entraînent pas fou. C'est tout. Et à chaque fois, au bout de 3-4 séries, ils étaient oxy, ils étaient au bout de leur vie. Ça veut bien dire qu'en temps habituel, ils ne s'entraînent pas dur. Donc voilà. C'est difficile. Mais en même temps, quand on fait des choses exceptionnelles, il n'y a rien de facile. Mais voilà. Si vous croyez en vous et que vous le voulez vraiment, faites-le et allez le faire jusqu'au bout. Vous mentez pas à vous-même. Quand il y en a, ils me disent, ouais, quand vous dites, ouais, je peux pas faire ci, je peux faire ça, vous vous mentez à vous-même. C'est pas je peux pas ou c'est que vous voulez pas. Vous voulez pas. Vous dites pas je peux pas faire ça ou machin. C'est juste que vous êtes pas capable, vous le voulez pas. Ça tient qu'à vous de le faire. C'est pas tous les autres le font. C'est vous avez pas quelque chose de plus compliqué que les autres. C'est juste que vous voulez pas le faire. Donc après, ne trouvez pas des excuses. C'est juste que vous voulez pas le faire. C'est pas que vous y arrivez pas ou que c'est pas possible. C'est vous qui ne voulez pas le faire. C'est dur, mais vous pouvez le faire. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Donc bon. Mais voilà, j'ai pas envie de faire le donneur de leçons non plus, mais c'est juste pour éclairer les gens en fait sur ce truc-là. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai reçu pas mal de trucs comme ça, donc je trouvais ça un peu dingo, quoi. Mais bon. Donc j'espère en tout cas que ça peut ouvrir les yeux surtout à certains et certains à prendre conscience en fait de ce type de choses. Arrêtez de vous mentir, quoi. C'est tout. Mais quand je vois même sur Facebook ou Instagram, j'ai envie de dire, ouais, j'ai une carte pro et tout, mais ils font... Mais à côté, je sais que c'est des gens, ils veulent pas faire ci, ils veulent pas faire ça ou pas manger ci, pas manger ça. Les gars, mettez même pas que vous voulez une carte pro. Vous voulez gagner cette compète-là. Si tu t'affiches que tu veux gagner une carte pro ou si tu t'affiches que tu veux gagner un concours, mais fais tout ce qui est possible, tu vois, sinon on l'écrit même pas. C'est bizarre, quoi. Tu mets ça et en même temps, tu fais pas ce qu'il faut faire. Bon, bah écoutez, hein, pas de souci, quoi. Enfin bref, ça tient aussi pour tous les amateurs et compagnie. Hein. Vous verrez bien, de toute façon, même chez les débutants, moi je le vois avec des coachings où certaines personnes, ils commencent à, au bout d'un certain moment, à prendre conscience de l'importance justement de tous ces petits détails-là. Et sur 2-3 semaines, ils changent complètement, quoi, physiquement. Et juste parce qu'ils ont pris conscience de cette chose-là, et on les voit qui changent complet, quoi. Et ils disent waouh. Et ouais, c'était pas, il y avait pas de magie ou de secret à côté, quoi. C'était juste le fait de faire exactement ce qu'il y a écrit, mais de le faire à fond. Et là, wow, on dit putain la vache, je change de ouf et tout. Mais en fait, t'as juste rien changé. C'est ta préparation, il y a rien qu'à changer dedans, en fait. C'est juste toi qui a changé ta manière de te préparer, quoi. Parce que la diète, elle est la même, les entraînements aussi. C'est juste que toi, tu as vraiment tout respecté à la lettre et tu as poussé le curseur plus loin et tu changes complètement, tu vois. Donc comme c'est pas que ce qu'il y a... Enfin, c'est à vous de faire le taf, quoi. C'est ça que je voulais dire, pardon. Bref. En tout cas, je souhaite du bon courage à tous. En tout cas, merci de me suivre. C'est vraiment cool. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Il y a quand même pas mal de vues sur les vidéos. Donc ça, c'est vraiment top. N'hésitez pas à le partager ou mettre un petit pouce, comme disent les influenceurs. Et puis voilà, quoi. J'essaierai de vous faire plus de vidéos. Là, du coup, comme je rentre dans une période plus, on va dire, plus intensive de la préparation. Voilà, je commence à chercher mes mots, ça craint. Essayez de vous montrer tout ça, de vous tenir informé, de vous tenir au courant. Et en tout cas, merci à tous pour le soutien, parce qu'honnêtement, c'est aussi grâce à vous, vraiment là que je tiens. Donc, ça, c'est cool. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bonne après-midi, peu importe. En tout cas, je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas que l'important, c'est l'essentiel. Ciao.